Oui, bien entouré, Nathalie. Pour vous rassurer, je n'ai pas été pris en otage. Ce sont les rappeurs de la Baraka qu'on pourra entendre tout à l'heure qui sont à côté de moi. Mais d'abord, donc, retour sur le concert de Massive Attack hier soir. Premier gros succès de ce printemps de Bourges. Premier gros succès d'abord pour un seul homme, surtout parce que Massive Attack, vous le savez, depuis le dernier album, ça n'est plus qu'un homme, Robert Del Nadja, alias 3D. Un homme qui se protège beaucoup, se méfie des médias qui n'ont pas pu l'interviewer, qui n'ont pas pu filmer son concert. On peut quand même avoir un aperçu de ce que ça donne, Massive Attack sur scène. Ça aurait été dommage de rater ça. Grâce à des images qu'a récupérées sur la tournée Yann Dimeglio. Ce ne sont pas les images du concert de Bourges mardi soir, et pour cause. Robert Del Nadja a ignoré les médias avant, pendant et après le spectacle. Massive Attack n'a pas besoin des journalistes pour remplir une salle, mais surtout Robert Del Nadja ne veut pas que son image ni son discours soient déformés. Il projette au public sur un écran des messages contre la guerre en Irak, les montants des budgets militaires, des hectares de forêt dessinés en temps réel, tout un flot de statistiques. Robert Del Nadja répond aux questions qu'il ne veut pas qu'on lui pose.